Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal de la ville de l'Ancienne Lorette. Bonsoir, chers membres du conseil. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Bonsoir, chers fonctionnaires. Bonsoir aux gens à la maison. Et bonsoir surtout aux gens qui sont dans la salle. Merci de prendre le temps de vous déplacer. Et je voudrais particulièrement souhaiter la bienvenue ce soir à nos jeunes cadets de l'Ancienne Lorette, les gens de l'escadron du 921. Et nos gens de l'escadron du 28-46, donc lors d'une dernière activité en leur présence. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de plaisir, particulièrement lors du dernier souper, et je les invitais à venir faire un tour. Puis j'ai même quelqu'un qui me présentait tout à l'heure en disant « ça va être moi le prochain maire suppléant ». Ça fait que il est là, il est prêt, dans quelques années encore. C'est que... Donc, il y a une place ce soir, c'est une blague. Alors, on y va pour l'ouverture de la séance. Bienvenue tout le monde. Donc, à l'adoption de l'ordre du jour, on a un petit ajout ce soir à l'ordre du jour qui est au point divers. Donc, Maître, je vous laisse nous le présenter. Oui, Monsieur le maire. Alors, effectivement, il y a un ajout au divers. Et le titre, c'est « Le déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique ». Donc, quelqu'un pour proposer et quelqu'un d'autre pour appuyer cet ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Madame Ossio. J'appuie. Et Monsieur Guérard. On y va maintenant avec le point 3, séance ordinaire du Conseil d'agglomération de Québec du 20 mars 2024 et présentation de l'ordre du jour et orientation du Conseil. Donc, fidèle à nos habitudes, on met en revue pour les membres du Conseil l'ensemble des points qui seront discutés au Conseil d'agglomération de Québec. Et comme vous le savez, c'est un règlement qui est passé en décembre dernier, qui est le règlement 1534. De l'agglomération de Québec. Certains points de ce règlement-là portent préjudice à l'Ancienne Lorette, sur, entre autres, les dépenses mixtes de la ville de l'agglomération de Québec. Donc, on se doit de voter contre à chacune de ces dépenses mixtes pour préserver l'intégrité financière de la ville de l'Ancienne Lorette. Donc, c'était à chaque fois, on analyse les points à l'ordre du jour et aussi des fois des points qui sont amenés, qui sont des points qui sont de proximité, donc on se doit. Donc, on fait une revue exhaustive de l'ensemble des points qui sont présentés à la séance du Conseil d'agglomération. Les décisions sont prises en CA pour amener au Conseil ensuite et voter et donner l'autorisation au maire ou dans le cas, c'est le président M. Guérard qui me remplace si je n'ai pas accès à pouvoir aller à la séance de l'agglomération. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Madame Lorrain. J'appuie. Et Mme Grenier. On y va maintenant avec la nomination d'un maire suppléant. Donc, à chaque fidèle à notre habitude, depuis l'élection de 2021, nous faisons la nomination du maire suppléant à chaque 4 mois. Donc, M. Hallé, vous terminez votre mandat de 4 mois. Et on était rendu à M. Saint-Gelais. Donc, on lui en a parlé, évidemment, donc il accepte. Donc, si vous êtes toutes et tous d'accord, donc quelqu'un pour proposer et appuyer pour les 4 prochains mois la nomination de M. Saint-Gelais à titre de maire suppléant. Je vais proposer. M. Hallé. J'appuie. Et M. Guérard. Merci. On y va maintenant avec greffe et contentieux, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février. Vous en avez pris connaissance? Questions, commentaires? Merci. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Propose. Madame Grenier. J'appuie. Et Monsieur Hallé. On y va maintenant avec le point 6, autorisation de recouvrement de taxes foncières impayées sur certains lots de la municipalité de la ville de l'Ancienne Lorette. Maître Leblanc-Bourque, je vais vous laisser présenter. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, il y a, en date d'aujourd'hui, toujours 2 lots spécifiques qui n'ont pas acquitté les soldes des taxes foncières, certains soldes là, qui peuvent remonter jusqu'à 2021 et donc jusqu'à 2024. Suivant plusieurs démarches de recouvrement qui ont été faites, ces propriétaires ont été dûment mis en demeure de remédier à la situation le 6 février 2024, donc dernier. Et afin de procéder au recouvrement des taxes foncières à l'égard de ces immeubles-là, il faudra possiblement intenter des procédures judiciaires à la Cour municipale de Québec. Donc, il y a des frais de justice de huissier qui sont approximativement de 2 000 $ en tout, là, donc 1 000 $ par dossier. Et on recommande au Conseil d'autoriser le service du greffe à intenter toutes les procédures
procédure judiciaire à la Cour municipale de Québec et à faire exécuter les jugements rendus le cas échéant. Merci. On n'aime pas en arriver là, malheureusement, puis je sais que pour en avoir discuté longuement là, avec Maître Leplanbourg et au niveau administratif aussi, que plusieurs démarches sont faites avec les gens avant d'en arriver à amener ça au conseil. Malheureusement, quand on arrive à un certain temps, on se doit de procéder. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Guérard. J'appuie. Et Madame Lorrain. Merci. On y va maintenant avec le point 7, Maître Leblanc-Bourg. Oui, je vous remercie. Donc, effectivement, suivant les inondations qui sont survenues en mai et en juin, le 31 mai, le 1er juin 2013 de la rivière Lorette, il y avait eu une action collective qui avait été déposée en novembre 2013. Donc, il y avait des dommages allégués, évidemment, aux propriétés des riverains de la rivière Lorette. Et suite à cette démarche-là juridique, il y a eu les assureurs de la ville, la mutuelle des municipalités du Québec, qui a été subrogée aux intérêts de la ville, puisqu'évidemment, la ville est assurée pour ce genre de dommages-là. Il y a aussi la Ville de Québec qui était également défendresse dans le même litige, donc dans le même dossier d'action collective, puisqu'il y avait certains dossiers, certaines situations qui étaient sur le territoire de la Ville de Québec. Donc, pour la Ville d'Ancienne-Lorette, ça représentait environ 53 immeubles sinistrés sur le territoire de la Ville d'Ancienne-Lorette. Et il y a eu, le 19 février dernier, une conférence de règlement à l'amiable. Et suite aux discussions entre les demandeurs, donc les riverains, et les assureurs de la Ville de Québec et de la Ville d'Ancienne-Lorette, les parties ont convenu de régler le dossier pour un montant global, donc pour autant la Ville d'Ancienne-Lorette que la Ville de Québec, de 2 050 $. Et la responsabilité financière qui incombe à la Ville de l'Ancienne-Lorette est uniquement pour les refoulements d'égouts qui sont survenus avant le débordement de la rivière Lorette. Donc, c'est une technicalité, mais ça a été une admission qui a été faite de la part de la Ville de Québec, qui est quand même avantageuse pour la Ville d'Ancienne-Lorette. Et donc, suivant aussi une entente de répartition entre la Ville de Québec et la Ville d'Ancienne-Lorette, la contribution de la Ville d'Ancienne-Lorette sera à la hauteur de 300 474 $. C'est un montant qui est couvert par la police d'assurance de la Ville d'Ancienne-Lorette. Donc, aujourd'hui, afin de clore le dossier, une résolution doit être adoptée par le Conseil de la Ville afin d'entériner le règlement à l'amiable. Donc, on recommande au Conseil d'adopter la résolution. Et par la suite, si évidemment le Conseil accepte d'entériner cette résolution-là, il y aura une ordonnance sur la publication d'un avis à tous les membres du recours collectif et ensuite une audition pour l'homologation de la transaction devant un juge pour que le règlement devienne un jugement, passe en force de chose jugée pour que tous les sinistrés puissent être finalement dédommagés financièrement. Alors, on recommande au Conseil d'entériner l'entente de transaction et la quittance intervenue entre toutes les parties le 19 février 2024 et dans le dossier 200-06-00-171-135, ainsi que l'entente de répartition également, donc la seconde entente, entre la Ville de Québec et la Ville de l'Ancienne-Lorette. Merci. Enfin, après tant d'années, on peut entamer officiellement d'avancer encore plus dans ce dossier-là. Je le souhaite à la satisfaction en grande partie de l'ensemble des sinistrés. Tu sais, on parle de 2013 quand même. Donc, je vais prendre quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Guérard. Et j'appuie. Et Madame Lorrain. Merci beaucoup. On y va maintenant avec, puis en même temps, bien, vous avez vu dans les médias dernièrement que les travaux vont bon train pour tout ce qui est de la rivière Lorette au niveau des mesures pour empêcher les débordements futurs. Donc, les travaux commenceront cet été, vont se terminer normalement l'an prochain, puis il risque d'avoir quelques plantations à faire en 2026. Mais les principaux travaux vont se faire au cours de la période estivale et de l'été prochain. Donc, on y va maintenant avec le point 8, Maître Leblanc-Bourg, s'il vous plaît. Oui, alors il s'agit d'une résolution pour permettre l'exemption du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de l'Ordre des urbanistes du Québec. Alors, à la Ville de l'Ancienne-Lorette, on a 3 postes de professionnels qui, par les exigences de leur fonction, doivent être membres de l'Ordre des urbanistes du Québec. Alors, chaque année, l'Ordre des urbanistes impose à ses membres de souscrire et de maintenir une police d'assurance responsabilité pour l'année courante. Et il existe, pour les urbanistes qui sont au service exclusif d'une municipalité, une exemption du paiement de cette assurance, à condition qu'une demande en soit faite
fait et qu'une résolution adoptée par l'employeur soit jointe à la demande d'exemption. Alors, à la Ville de l'Ancienne-Lorette, on a le directeur de l'urbanisme, le directeur adjoint de l'urbanisme, M. Fortin, et aussi un technicien qui sont membres de l'Ordre des urbanismes. Et de toute façon, tous les faits et gestes professionnels des membres de l'Ordre professionnel, quel qu'il soit, à la Ville de l'Ancienne-Lorette, sont déjà assurés en vertu de la police d'assurance municipalité, d'assurance responsabilité des administrateurs de la Ville. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires. On recommande d'adopter la résolution. Quelqu'un peut proposer appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Madame Grenier. J'appuie. Et M. Harley. Effectivement, qu'on est très heureux de nos gens qui travaillent à l'urbanisme, qui sont fort occupés ces temps-ci, dans la période printanière, mais aussi là, à long terme, là, pour tout ce qui est de notre refonte de nos règlements d'urbanisme et du règlement du zonage. Point 9, Maître Leblanc-Bourque. Oui, merci. Alors, il s'agit du dépôt annuel du rapport sur l'application du règlement 359-2021 sur la gestion contractuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Alors, depuis 2017, le projet de loi 122, projet de loi provincial, indique que chaque municipalité peut maintenant prévoir des règles régissant la passation de ses contrats, dont la dépense est de 25 000 $ et plus, mais moins du seuil obligeant l'appel d'offres public, donc sur SEAO, qui était en fait à la dernière année de 121 199 $ et qui a augmenté en 2024 à 133 800 $. Donc, les règles peuvent différer de ce que la loi sur les cités et villes exige, mais pour ce faire, elles doivent être précisées dans un règlement de gestion contractuelle propre à la municipalité et, en contrepartie, dans un souci de transparence, la loi impose aux municipalités de produire un rapport annuel portant sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Alors, c'est le rapport qui est déposé aujourd'hui en séance. La Ville de l'Ancienne-Lorette s'est dotée tout d'abord d'une politique en 2010 et ensuite d'un règlement en 2018 sur la gestion contractuelle. Donc, ce que la loi de 2017 nous permettait, la Ville de l'Ancienne-Lorette l'a fait, a décidé d'opérer de cette façon-là, donc d'avoir des spécificités propres à la Ville de l'Ancienne-Lorette. C'est la raison pour laquelle on doit déposer un rapport annuel. Également, tel que le prévoit la loi sur les cités et villes, la Ville doit publier sur son site Internet sa politique de gestion des plaintes formulée dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou de l'attribution de tout contrat. Ainsi, également que la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 octroyée au cours de l'année 2023, donc l'année précédente, avec un même co-contractant lorsque l'ensemble des contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $. Donc, c'est toutes des exigences de la loi que la Ville doit respecter et qu'elle respecte également, c'est ce qu'on confirme ce soir. Ensuite, il y a un article de la loi sur l'autorité des marchés publics qui exige que la Ville doit adopter une procédure concernant le traitement des plaintes à l'égard du processus de demande de soumission publique et des avis d'intention de conclure un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique. Donc, on doit déclarer les plaintes et en date du 31 décembre 2023, donc pour l'année 2023, la Ville de l'Ancienne-Lorette n'a reçu aucune plainte de cette nature. Également, aucune plainte à la Ville de l'Ancienne-Lorette n'a été reçue pour l'application du règlement 359-2021 sur la gestion contractuelle, ni dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une soumission publique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumission publique. Finalement, aucune plainte n'a été formulée dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une attribution de contrat de gré à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil minimal de SEAO, donc de demande de soumission publique. Donc, évidemment, aucune sanction n'a été appliquée concernant l'application de notre règlement de gestion contractuelle. Et en conclusion, la Ville d'Ancienne-Lorette s'assure chaque année de maintenir à jour ses mécanismes de gestion contractuelle selon les normes juridiques, comptables, évolutives, afin de remplir une offre de services efficace envers ses citoyens, tout en respectant les règles de transparence et d'équité qui doivent s'appliquer à tout organisme public. Wow! Et elle a dit ça tout d'un trait. Alors, je comprends que c'est un dépôt conjoint de vous et Madame Marceau. Tout à fait, effectivement. Merci de me le rappeler. Donc, c'est co-signé, évidemment, par la trésorière et la greffière de la Ville. Merci beaucoup. On y va maintenant avec le point 10, ressources humaines. Madame Grenier. Oui, merci, M. le maire. Donc, c'est concernant la nomination de M. Michael Galland-Beaulieu à titre de journalier régulier. Donc, en raison là, d'un poste laissé vacant à la suite d'une promotion, que le service des ressources humaines a procédé à l'affichage d'un poste de journalier régulier à temps complet.
Donc, conformément aux dispositions prévues de la convention collective des employés col bleu, le poste est accordé à l'employé qui a le plus d'ancienneté, qui possède les qualifications requises. Donc, après l'analyse, c'est M. Galland-Beaulieu qui est l'employé ayant le plus d'ancienneté et qui répond aux exigences du poste. Je recommande donc la nomination de M. Galland-Beaulieu à titre de journalier régulier au service des travaux publics, et ce, à compter du 2 avril 2024. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Vous aviez des problèmes de micro. Alors, M. Hallé, bon bien, félicitations, M. Galland-Beaulieu, pour cette nomination. Mme Grenier, point 11. Oui, donc cette fois, c'est l'autorisation de la signature de la lettre d'entente numéro 4 entre la Ville et la Fédération indépendante des syndicats autonomes. Donc, la dernière convention collective étant entrée en vigueur en janvier 2021, la Ville a approché le syndicat afin d'améliorer l'efficacité organisationnelle en modifiant l'horaire de travail des préposés à la bibliothèque le dimanche. À la suite de changements des habitudes de la clientèle, la bibliothèque a maintenant un achalandage plus important le dimanche matin qu'auparavant. Donc, pour équilibrer la charge de travail entre les employés, augmenter l'efficacité du travail et offrir aussi un meilleur service à la clientèle les dimanches matins, une des préposées assignées à l'horaire en après-midi sera donc déplacée le dimanche matin. Donc, je recommande de procéder à la signature de la lettre d'entente numéro 4 à intervenir entre la Ville et le syndicat des employés. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Madame Ossio. Et nous appuyons. On y va maintenant avec le point 12. Monsieur Guérard. Oui, et donc, il s'agit d'une autorisation de signature d'un avenant au contrat d'assurance collective. Donc, à la suite du renouvellement de l'assurance collective au 1er janvier 2024, des changements au contrat sont survenus amenant la Ville à devoir signer un avenant au contrat. La principale modification de l'assurance est au niveau de l'assurance salaire de courte durée. Désormais, les prestations d'assurance salaire sont réduites des prestations de maladie de l'assurance emploi pendant toute période au cours de laquelle l'employé est admissible. Je propose d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l'avenant au contrat d'assurance collective intervenu entre SSQ et la Ville. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Madame Grenier, on y va maintenant avec le point 13, nomination d'un directeur général adjoint et directeur de l'urbanisme. La Ville de l'Ancienne Lorette cumule évidemment plusieurs projets de front et de dossiers d'envergure que l'on travaille. Le conseil municipal juge nécessaire de nommer un directeur général adjoint. Vous avez vu dans le passé, on a nommé un directeur général substitut qui était M. Philippe Millette. Donc, M. Millette a continué de travailler sur certains dossiers, je vous dirais même depuis janvier. Au cours des dernières années, je reviens à mon texte, ce dernier se verra confier certains aspects de la gestion opérationnelle et certains projets déterminés. Également, il agira à titre de directeur général substitut dans le cas où notre directeur général doit s'abstenter. Au cours des dernières années, M. Millette a été désigné pour agir en tant que directeur général substitut. Il a su accomplir ses responsabilités avec succès. Et c'est pour ça que le conseil, étant satisfait de son rendement, de nommer M. Millette à titre de directeur général adjoint et il conserve toujours, évidemment, son titre de directeur de l'urbanisme. Le salaire octroyé pour la fonction de directeur général adjoint et de directeur de l'urbanisme correspond à une classe déjà existante à la Ville, qui est la classe 9, échelon 10, de la grille salariale des cadres. Donc, nous recommandons la nomination de M. Philippe Millette et je pense que je peux parler au nom de l'ensemble des membres du Conseil. Absolument. Pour en faire une proposition unanime et un appui unanime à la nomination de M. Millette. Donc, merci. Félicitations, M. Millette. On est très heureux que vous ayez accepté parce qu'on sait que vous êtes en vacances bien méritées, mais reposez-vous bien, on vous attend à votre retour avec bien des dossiers. On y va maintenant avec le point 14. En parlant de vacances de M. Millette, M. Fortin, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Vous avez choisi une séance quand même particulièrement costaude pour l'urbanisme. Alors, on vous laisse nous présenter les points 14 à 21 au niveau d'urbanisme. Oui, merci beaucoup. Donc, on va commencer avec une demande de dérogation mineure au 1749-1751 route de l'aéroport et d'un PIA par le fait même. Donc, on voit la situation du terrain et une vue plus rapprochée du site. Donc, on voit la façade de l'immeuble, la façade avant, ainsi que les façades latérales et arrière. On voit également la cour arrière de l'immeuble. Donc, la demande a deux volets.
Premier volet, demande de dérogation mineure, c'est de rendre réputé conforme l'implantation du bâtiment principal commercial avec une marge de recul avant de 9,9 mètres, alors qu'il y a le minimum prescrit par le règlement de zonage de 10 mètres. Et le deuxième volet, c'est de permettre l'ajout d'un étage et la rénovation extérieure du bâtiment principal. Donc, la dérogation mineure, elle résulte en fait là, de la production d'un certificat de localisation pour réaliser la vente de l'immeuble. Donc, l'arpenteur s'est rendu compte que la marge de recul avant n'était pas conforme. Elle était à 9,9 mètres au lieu de 10 mètres. Puis les nouveaux propriétaires, eux, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est rénover l'ensemble de l'immeuble, l'extérieur de l'immeuble, et faire des bureaux au deuxième étage. Donc, c'est pour ça que le PIA s'applique dans ce cas-ci. Donc, on voit ici les élévations, l'architecture, à quoi ça va ressembler. Donc, au-dessus, ça va être des bureaux administratifs. Tout l'extérieur, tous les revêtements sont changés. Ils vont être remplacés par des parements d'acier et des panneaux d'aluminium. Et également du clin de fibrociment de deux couleurs distinctes, donc une couleur imitation de bois et l'autre gris, couleur gris fer. Donc on voit ici les différentes façades. On voit la façade arrière et la façade latérale. Dans le cadre du projet, il y a un plan d'aménagement paysager qui a été déposé. Il y a différentes plantations qui vont être installées, ajoutées en fait sur le site. Quelques plantations en façade de l'immeuble directement. Quelques plantations sur les côtés et à l'arrière. Donc, on voit les arbres qui sont plantés et également une aide-cède le long de la ligne latérale de terrain. Donc, le dossier a cheminé auprès du CCU et il a soumis ses recommandations. Et dans le fond, il est favorable à la présente demande de dérogation et au PIA. Donc, habituellement, comme on fait habituellement, je vous laisse présenter tous les autres dossiers. On reviendra à la fin pour passer au vote, le temps de laisser aux gens qui sont en ligne de pouvoir poser des questions. Et évidemment, il y aura une période de questions pour les gens dans la salle en même temps. Exact. Donc, on va passer au deuxième dossier. Donc, c'est une demande de dérogation mineure et un PIA au 1764 rue Notre-Dame. Donc, on voit la vue aérienne du site, une vue plus rapprochée, une vue oblique, et une vue très rapprochée de l'immeuble. Donc, c'est un local vacant actuellement au rez-de-chaussée. Puis à l'étage, dans le fond, il y a deux logements. Donc, on voit à quoi ressemble l'immeuble le long de ses façades. Donc, la nature de la demande, encore une fois, elle a deux volets. Donc, la demande de dérogation mineure, c'est de permettre l'agrandissement du bâtiment principal au deuxième étage dans le prolongement du mur existant, avec une marge de recul latérale de 3,7 mètres, alors que le minimum prescrit par le règlement de zonage est égal à la hauteur du mur adjacent, soit 8,1 mètres. Et le deuxième volet, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est de permettre l'agrandissement du bâtiment principal au deuxième étage afin d'y aménager un logement et la rénovation extérieure du bâtiment principal. Donc, ça, c'est le plan d'implantation du projet. Donc, en fait, ce qu'ils veulent faire, ils veulent ajouter un deuxième étage pour ajouter un logement pour les répondre aux besoins des nouveaux propriétaires. Et également, ils veulent aménager une garderie au rez-de-chaussée de l'immeuble. Donc, l'agrandissement en tant que tel s'insère dans le prolongement du mur existant. Donc, il n'y a pas d'empiètement dans les cours. Et on voit qu'il y a une cour extérieure là, qui s'étend jusqu'à l'arrière pour les enfants, l'aire de jeu. Il y a également une headset qui est plantée le long de la ligne latérale de terrain pour assurer un écran visuel avec le voisin. Donc, tous les voisins ont été rencontrés autour. Il y a des lettres qui ont été acheminées également. Donc, si on voit vers les esquisses visuelles. Donc, on voit que c'est l'ensemble des façades qui sont restaurées. Encore une fois, c'est du clin de fibrociment avec des panneaux d'acier et des panneaux de fibrociment également. Donc, ça, c'est la vue projetée en bordure de la rue Notre-Dame. Donc, la vue projetée de la rue Saint-Georges. Et la vue arrière projetée. Donc, il y a un écran d'intimité également qui a été apposé, installé en fait sur la terrasse sur le toit. Pour éviter là, qu'il y ait une perte d'intimité chez les voisins. Donc ça a été présenté également là, aux voisins immédiats. Donc ça, c'est la vue un petit peu plus de haut du site. Donc encore une fois, le CCU a fait des recommandations. Il est favorable là, au dossier, donc au volet dérogation et au volet PIA. Merci. Donc on va passer à la demande de dérogation mineure au PIA au 6375 boulevard Wilfrid Hamel. Donc, c'est un terrain situé aux axes Notre-Dame et Wilfrid Hamel.
Donc, c'est un ancien garage d'auto. On voit la vue aérienne du site, une vue plus rapprochée. Donc, la façade de l'immeuble, la façade plus rapprochée, c'est en fait, c'est un ancien Unipro, un garage automobile, qui va faire place à deux nouveaux établissements de restauration. Donc, la nature de la demande, c'est de permettre l'agrandissement et la rénovation extérieure du bâtiment principal avec les éléments dérogatoires au règlement du zonage suivant. Donc, un coefficient au sol de 0,15 alors qu'il m'a prescrit de 0,25, une marge de recul latérale de 4,1 m dans sa partie la plus rapprochée, alors que le minimum prescrit est égal à la hauteur du mur adjacent, soit 5,6 mètres, et la présence d'une aire de stationnement située en cour avant du bâtiment en bordure du boulevard Wilfrid-Lamel, alors que les stationnements sont prohibés en cour avant sur toute la longueur du boulevard Wilfrid-Lamel. Ça, c'est une norme qu'on a depuis environ 2010 pour le boulevard Wilfrid-Lamel. Donc, on voit le plan projet d'implantation. L'agrandissement, il est en triangle sur le côté de l'immeuble. Et également, dans le fond, pour éviter... pour, en fait, dissimuler les véhicules de la voie publique. Il y a un aménagement paysager dense et diversifié qui a été aménagé sur le site. Donc, il va y avoir des arbustes et des herbacées un petit peu partout sur le site pour cacher justement les véhicules puis agrémenter un peu, rendre plus perméable un peu ce site-là qui est très minéralisé. Donc, on voit les deux restaurants qui vont être... implanté. Au niveau des façades, c'est des revêtements métalliques, soit du bardage métallique et également du clin là, métallique horizontal. Et on voit les façades latérales également. Donc, le Wendy's, en fait, va avoir un service à l'auto. C'est pour ça qu'on voit deux véhicules là, le long de la façade latérale. Encore une fois, le dossier a cheminé au CCU et il est favorable au dossier. Merci. On va maintenant avec le dernier point, le plan, le point 21. Oui. L'avant-dernier. L'avant-dernier, pardon. Oui. Donc, ce dossier-là, c'est juste un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, toutes les normes sont respectées au niveau du zonage. Donc, il y a un aspect particulier à ce terrain-là. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc, ça, c'est la vue aérienne. En fait, c'est un terrain qui chevauche directement la ville de Québec et la ville d'Ancienne-Lorette en son centre, même au centre du bâtiment. On voit la limite municipale entre la ville de Québec et la ville d'Ancienne-Lorette. Ce serait intéressant, ça, États-Unis-Canada. C'est ça. C'est particulier parce qu'il faut à la fois gérer la conformité avec la ville de Québec et notre conformité à nous. Donc, en fait, c'est bien magique. C'est une entreprise qui fait la rénovation de salles de bain, salle de bain et la vente également à leur succursale. Donc, ils veulent s'installer dans ce bâtiment-là. On voit les façades directement ici. Donc, la nature de la demande, c'est vraiment de permettre la rénovation extérieure du bâtiment principal. Il y a également un agrandissement qui est situé sur le territoire de la Ville de Québec. Par contre, comme je l'ai dit, tout est conforme au niveau des normes. Il y a également des plantations qui vont être ajoutées en cours avant. Et toutes les bordures d'asphalte, tout va être repavé. Dans le fond, il va vraiment avoir une revitalisation du site. On voit ici les esquisses visuelles du projet. Donc, c'est encore une fois des revêtements métalliques. Donc, du revêtement métallique horizontal et vertical, qui est de type courbier. Et le CCU était favorable à ce dossier-là également. Merci. Le point 21. C'est le dernier dossier d'urbanisme. C'est le plan d'implantation d'intégration architecturale au 1430 rue de la Ferme. Donc, on voit la situation du terrain, une vue oblique et une vue, un extrait de la carte interactive, une rue plus rapprochée. Donc, la façade de l'immeuble, en fait, c'est une maison individuelle, un bungalow, qui veut ajouter un étage là, pour les besoins d'une famille. Donc, c'est un logement intergénérationnel qui va s'installer. Au deuxième étage. Donc, la nature de la demande, c'est de permettre l'exhaussement du bâtiment principal, ajout d'étage pour y aménager un logement intergénérationnel. Au niveau des normes de zonage, tout est conforme au niveau de l'implantation, des marges et tout. Donc, l'agrandissement, on le voit ici à votre droite, l'agrandissement projeté. Donc, toute la rénovation est faite sur l'ensemble des façades également et il y a un ajout d'étage, comme je l'ai déjà mentionné.
Les revêtements, c'est du Canexel, couleur blanc et couleur gris foncé. Donc, on voit que le volume est un petit peu en retrait de l'agrandissement. C'est qu'on voit la façade avant et les façades latérales et arrière. Donc, dans ce dossier-là, vu qu'il y avait un balcon au deuxième étage, en fait, il a été demandé là, d'ajouter une netcède en cour arrière. Dans le fond, qu'une netcède soit plantée en cour arrière. C'était une des recommandations du CCI. Et les voisins ont été consultés aussi. Les voisins ont envoyé des lettres aux voisins tout le tour. Oui, et même les propriétaires ont fait le tour des voisins. D'accord, parfait. Merci. Ça termine pour la présentation des points 14 à 21. Donc, fidèle à notre habitude, on va les reprendre point par point, si vous voulez bien, à partir du point 14 pour les périodes de questions pour les dérogations mineures. Est-ce qu'il y a des périodes de questions pour les plans d'intégration architecturale aussi? Non, que pour les dérogations mineures. D'accord. Donc, on y va maintenant avec le 1749 et 1751, route de l'aéroport. Je ne sais pas si vous voulez les placer en même temps. Oui. S'il vous plaît. Donc, est-ce qu'on a des questions qui nous viennent du web? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour le plan d'intégration, la dérogation mineure au 1749 et 1751 de la route de l'aéroport, qui est l'ajout d'un étage et la modification de la façade là, d'un garage existant sur la route de l'aéroport? Non? Membre du conseil? Ça va? Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Madame Grenier et Madame Ossio, oui. Vous appuyez? Oui. Merci. On y va. Donc, même chose, Madame Grenier, Madame Ossio, ce que vous faites aussi pour le plan d'intégration architecturale. Merci. On va faire la même chose pour l'autre. Donc, pour le point 16 et le point 17, donc la demande de dérogation mineure au 1764 rue Notre-Dame, qui est l'ajout d'un étage, d'un logement sur une partie et la modification du local commercial qui est là en garderie. Donc, est-ce qu'il y a des questions au niveau du web? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions des membres du conseil? Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer le point 16 et le point 17, s'il vous plaît, qui est la demande de dérogation mineure et le plan d'implantation et d'intégration architecturale au 1764 rue Notre-Dame. Je propose. Madame Grenier. J'appuie. Et M. Henley, je dois vous dire qu'on a été très heureux d'apprendre lorsqu'on a vu ce projet-là se réaliser sur la rue Notre-Dame. On est en manque d'espace de garderie à l'ancienne Lorette. Donc, ça nous donne combien de places, de garderie? Bon, c'est excellent pour les jeunes familles et pour attirer les jeunes familles à l'ancienne Lorette. Et l'ouverture serait prévue à quand, à ce moment-là? Je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent la question au niveau... Pas les détails pour l'ouverture, là, mais ils veulent faire les travaux assez rapidement. OK. Bon, bien, on le souhaite. On souhaite que ça aille rondement. Oui. Parfait. Merci. On y va maintenant avec le point 18, une demande de dérogation mineure au 6375 boulevard Wilfrid Hamel pour la modification d'un garage pour accueillir deux commerces de restauration. Donc, est-ce qu'il y a des questions qui nous viennent du web? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que, puis je vois qu'il y a des jeunes qui sont heureux. Monsieur le maire suppléant en devenir, très heureux, je pense que vous avez déjà un client dans la salle. Donc, est-ce qu'il y a des questions au niveau des membres du conseil? Non? Merci. Quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Madame Lorrain? J'appuie. Et Monsieur Guérard. On va maintenant avec les plans d'implantation et intégration architecturale au 6375 boulevard Wilfrid Hamel. Donc, c'est la modification au niveau de si vous voulez nous le remettre. Pardon? Ah oui. Excusez-moi, j'avais une question, moi, pour l'autre d'avant. J'ai oublié de vous la poser. Si vous voulez aller sur le plan, comme ça, les arbustes qui vont être plantés en façade sortie boulevard Hamel, visibilité de chaque côté, c'est juste que ça va être pensé, tu sais, pour... OK. Quand les gens vont sortir du commerce là, pour ne pas avoir la vue... Ça va être assuré. Puis j'ai oublié de mentionner tout à l'heure qu'il y a même un trottoir qui va être ajouté sur une section d'environ 15 mètres là, pour oui, faciliter vrai. Le cheminement à piétons. On le voit sur le plan, là, dans le fond, en bas à droite. C'est un trottoir d'1,8 mètre de large qui va être aménagé pour permettre justement aux piétons d'acheminer sécuritairement à l'intersection.
C'est vrai, on en avait parlé lors d'une réunion plénière. C'est que vous avez l'intersection du Jean Coutu, donc de la rue Notre-Dame et boulevard Hamel. Il y a déjà un petit bout de trottoir, mais le petit bout de trottoir ne se rendait pas jusqu'au commerce. Donc, vous allez pouvoir traverser de façon sécuritaire le boulevard Hamel au coin de la rue Notre-Dame et ensuite de ça, soit aller du côté du Jean Coutu ou soit aller du côté des deux nouveaux commerces de restauration de façon pleinement sécuritaire. Donc, merci de prendre en note pour les sorties, évidemment. Donc, on revient au point 19, le plan d'implantation et d'intégration architecturale au 6375 boulevard Wilfrid Hamel. Donc, est-ce qu'ils doivent avoir aussi une approbation de Ville de Québec sur leur plan d'intégration et leur plan de… Pour les 6 000, oui, en fait, mais c'est pas un PIA qui s'applique. Eux autres, c'est vraiment d'emblée… Tout était conforme. Okay. Nous, on a un PIA qui s'ajoute. Tout ce qui est rénovation extérieure, changement de l'apparence extérieure, ça s'applique à nous, mais à Québec, de leur côté, ça ne s'applique pas. D'accord. Parfait. Merci. Donc, quelqu'un pour proposer, appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Guérin. J'appuie. Et Madame Grenier. Le point 20 maintenant, plan d'implantation et d'intégration architecturale au 6000 boulevard Wilfrid Hamel. Donc, qui est de modifier un commerce qui était, je crois, un garage aussi. C'est bien ça, je pensais qu'on avait un garage avant, pour le commerce Bain Magique. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Madame Ossio. J'appuie. Et M. Allais. On y va maintenant pour le dernier point en urbanisme, le plan d'implantation et d'intégration architecturale au 1430 rue de la Ferme pour un rehaussement d'une maison. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Madame Grenier. J'appuie. Et Madame Lorrain. On va maintenant avec les points de travaux publics. Donc, chaque année, on doit procéder à plusieurs petits contrats, si on peut dire des petits contrats pour l'ensemble. Mais premièrement, merci, M. Fortin. Okay. Puis, pour les achats de béton et ainsi de suite, de vidange de puisard, d'entretien ménager et tout ça. Donc, M. Allais. On va vous laisser nous présenter, s'il vous plaît, le point 22. Allons-y. Donc, c'est un rapport au conseil déposé par M. David Bellavance du côté des travaux publics pour l'attribution d'un contrat pour l'approvisionnement de béton bitumineux asphalte pour l'année 2024 en prévision de l'octroi de ce contrat pour la fourniture de béton bitumineux pour l'année 2024. Le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres via la plateforme SEAO. Au cours de la saison 2024, nous prévoyons utiliser approximativement 1000 tonnes métriques d'enrobés bitumineux pour nos travaux de réfection de rue. Donc, le 18 mars, on a procédé à l'ouverture de 12 soumissions, soit soumissions de pavage UCP et de asphalte lagacé limité. Suivant l'analyse par le greffe, service du greffe de l'entreprise pavage UCP, offre la soumission conforme la plus basse pour un montant total de 108 381,76 $. Toute taxe incluse. La somme nécessaire à l'octroi du contrat pour le fourniture de béton bitumineux pour l'année 2024 est pris au poste budgétaire achat, matières premières, asphalte et gravier. À titre comparatif, en 2023, le contrat avait été attribué pour une somme de 102 240,50 $, taxe nette et sans contingence, donc une diminution pour 2024 de 3,3 %. On recommande d'attribuer le contrat pour la fourniture de béton bitumineux pour l'année 2024 à l'entreprise Pavage UCP, le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 108 381,76 $, toute taxe incluse, et selon les prix unitaires prévus au bordereau de soumission. Et on recommande aussi un montant de 16 257,26 $, correspondant à 15 % du montant total des soumissions, soit constitué pour permettre le cas échéant des variations de quantité. Donc, je propose. Merci. Quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît? J'appuie. Monsieur Garand, bonne nouvelle, un petit peu moins cher que l'an passé. On y va, s'il vous plaît, avec le point 23, Monsieur Allais. Point 23, un rapport de Bernard Dumont, service des travaux publics, attribution d'un contrat pour les services de vidange des puisards de rue et taux horaire pour un camion vacuum avec opérateur 2024-2025. Donc, en prévision de l'attribution de ce contrat pour les vidanges de puisards de rue et le taux horaire du camion vacuum, le service des travaux publics a fait parvenir des demandes de soumission sur invitation à deux entreprises de la région, soit Sani
Orléans Inc. et Ortec Environnement Services Inc. Après l'analyse des soumissions par le service du greffe, le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise Seigny Orléans Inc. pour un montant total de 72 553,82 toutes taxes incluses. Il est à noter que le coût du nettoyage de puisard et de la location du camion est sujet à variation. À titre comparatif, le contrat avait été attribué en 2023 pour une somme de 74 804,9 soit une diminution encore là de 3 % pour 24-25. Donc, on recommande d'attribuer le contrat pour la vidange des puisards de rue et le taux horaire du camion vacuum à l'entreprise Seigny Orléans Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 72 553,82 toutes taxes incluses et selon les prix unitaires prévus au bordereau de soumission. Et ainsi, faire une réserve au montant de 10 883,7 qui correspond à 15 % du montant total de soumission, soit constitué pour permettre, dans le cas échéant, la variation de quantité. Donc, je propose encore. Merci. On souhaite rester dans les mêmes quantités. Quand on lit la ligne, il est à noter que le coût du nettoyage de puisard et de l'allocation du camion est sujet à variation. Donc, on souhaite garder les mêmes tarifs. Merci. Quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît? Madame Lorrain, on y va avec le point 24, Monsieur Allais, s'il vous plaît. On passe maintenant du côté des services d'entretien ménager à l'Aquagym Élise Marcotte. Donc, le contrat actuel d'entretien ménager pour l'Aquagym Élise Marcotte prend fin le 1er avril prochain. En prévision du nouveau contrat, le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres public le 8 février sur le site SEAO pour une période de 3 ans avec une possibilité de renouvellement de 2 années supplémentaires. Donc, à l'ouverture des 3 soumissions le 12 mars dernier, les entreprises de nettoyage Marcel Labbé Inc., 4M Maintenance Inc. et Rénov Voc Inc., après analyse des soumissions par le service du greffe, le plus bas soumissionnaire conforme est les entreprises de nettoyage Marcel Labbé Inc. pour un montant de 631 612,86, toutes taxes incluses pour les années 2024 à 2027. Avec une possibilité de renouvellement pour les années 27 et 28 de la somme de 226 546,74 taxes incluses et de 237 846,48 pour les années 28 et 29. Le coût total, incluant les options, est de 1 096 006,08 taxes incluses. À titre comparatif toujours, le contrat avait été attribué en 2019 pour 3 ans, sans tenir compte des 2 années optionnelles, pour une somme de 440 086 taxes nettes, soit une augmentation de 31 %. Cet écart significatif s'explique par le fait que les prix de 2019 à 2024 ont été établis suivant les facteurs socio-économiques préalables à la pandémie, une pénurie de main-d'œuvre, aussi l'augmentation importante du taux d'intérêt et du coût de la vie, donc d'où le montant de 31 %. En augmentation. Donc, on recommande d'attribuer le contrat pour entretien ménager de l'Aquagym Élise Marcotte pour la période 24 à 27 aux entreprises de nettoyage Marcel Labbé Inc. pour un montant de 631 612,86, toutes taxes incluses, avec les possibilités de renouvellement pour les années 27, 28, 28, 29, le cas échéant. On demande aussi une réserve d'un montant de 94 741,93, qui correspond à 15 % du montant total de la soumission, pour pallier aux possibles imprévus pouvant être rencontrés dans le cadre des services d'entretien ménager. Ce qui est important de souligner, c'est que le service d'entretien ménager du côté de l'Aquagym, c'est une personne qui est là, pas 24 heures sur 24, mais à l'ouverture des heures normales de l'Aquagym, donc il y a toujours quelqu'un qui est là pour pouvoir nettoyer les douches, nettoyer les salles de bain, nettoyer l'allée. Donc, on s'assure que tout est propre pour l'avenue. Donc, il y a quelqu'un là tout le temps quand c'est ouvert. Donc, je propose. Merci, M. Allais. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Mme Grenier, merci. C'est sûr que ça fait une grosse augmentation, mais on bénéficiait du fait qu'on avait signé avant la pandémie le premier contrat. Quand même de certains avantages. On prévoyait cette année arriver avec une explosion des coûts assez extraordinaire pour l'Aquagym, mais on se doit de faire que ce bâtiment-là respecte les critères les plus élevés en matière d'entretien. Donc, et après vérification faite, c'est pas mal dans les prix ce que l'on a au niveau des contrats actuels. Donc, le point 25, M. Allais, s'il vous plaît.
Alors, on est toujours dans un renouvellement de contrat d'entretien ménager, mais cette fois-ci pour les bâtiments municipaux. Donc, le 17 mars 2023, le Conseil attribué par sa résolution 55-23 un contrat pour l'entretien ménager des bâtiments municipaux à la société 4M Maintenance Inc. pour une année, soit du 4 avril 2023 au 3 avril 2024, au montant de 148 067,79. Le contrat prévoyait également la possibilité pour la Ville de renouveler le contrat pour deux années additionnelles, soit à 152 509,92 pour la première année et 157 089,97 pour la deuxième année, pour un total de 457 667,68, toutes taxes incluses, pour les trois années. Donc, étant donné que le prix était négocié, demeure avantageux à ce jour, il y aurait lieu de procéder à l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour une année, une durée d'une année. Donc, le montant taxe nette pour le renouvellement est de 139 261,88. Il est à noter que le renouvellement touche les années financières de 24 et 25. Donc, on recommande de renouveler pour une autre année le contrat pour les services d'entretien ménager à la société 4M Maintenance au montant de 152 509,92, toutes taxes incluses, et par le fait même de constituer une réserve de 15 % de 22 876,49 pour de possibles imprévus pouvant être rencontrés dans le cadre des services d'entretien des bâtiments municipaux. Ici, un entretien qui est plus hebdomadaire que quotidien, donc c'est ça. Tout à fait, c'est la différence. Donc, vous en faites la proposition? Quelqu'un pour appuyer? Madame Lorrain, merci. On y va maintenant avec le point 26, M. Allais. Il vous en reste deux. Oui. Donc, on embarque vraiment plus dans les travaux. Le premier, c'est un rapport au conseil de M. Louis-Philippe Lafleur pour la majoration de la réserve et l'autorisation de paiement pour les services professionnels en ingénierie spécialisée, structure et génie civil pour le projet de centre communautaire qui s'en vient à grands pas. Donc, le 30 mai 2023, la Ville a attribué par sa résolution 128-23 un contrat de service professionnel en ingénierie spécialisée, structure et génie civil pour la construction d'un centre bâtiment, un centre communautaire à l'entreprise Pluritech, au montant de 106 206,72, toutes taxes et contingences incluses. Les différentes études et analyses en géotechnique réalisées par la firme Englobe ont révélé des sols potentiellement liquifiables dans la zone de travaux du futur centre communautaire. De plus, l'implantation du bâtiment près du talus était aussi un enjeu soulevé par la firme. À la suite des forages et des études géotechniques réalisées dans le cadre du projet, l'option préconisée était de faire des fondations de bâtiments sur pieux, un coût des travaux qui pourrait être évalué à 500 000 $. La Ville a donc demandé aux professionnels de la firme Pluritech de présenter différents scénarios au niveau des fondations, et ce, afin de trouver une solution moins onéreuse. Les analyses et calculs de fondations supplémentaires demandées à ce moment n'étaient donc pas inclus dans le montant initial, dans le mandat initial, excusez. Donc, suivant les analyses et les calculs professionnels de la firme Pluritech, l'équipe de projet a finalement opté pour une solution de fondation estimée à 250 000. Donc, les honoraires pour ces analyses et ces calculs supplémentaires s'élèvent à 23 282,44, toutes taxes incluses. Donc, étant en début de travaux, nous recommandons au Conseil d'autoriser un montant supplémentaire de 23 282,44, toutes taxes incluses, pour acquitter les honoraires professionnels et de conserver la contingence de 15 % et ce, afin de pallier à tout imprévu qui pourrait survenir dans le cadre du projet. Donc, on recommande d'autoriser le paiement de la contingence de 23 282,44, toutes taxes incluses, pour le mandat des services professionnels en ingénierie spécialisée, structure et génie civil, dans le cadre du projet de la construction du centre communautaire à la firme Pluritech Limitée. Donc, je propose. Merci, M. Allais. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Merci. On est… les appels d'offres se terminent bientôt, hein? Jeudi, qui est l'ouverture des soumissions pour les appels d'offres pour le centre communautaire. Bravo. On a bien hâte d'ouvrir ça. Donc, le 27.27, M. Allais, s'il vous plaît. Je vais répondre à M. Lacaire qui se demande où va être le centre communautaire. Ah, tout à l'heure, on a une période de questions. On va y aller, continuer. Je vais vous laisser présenter le 27, s'il vous plaît. Donc, le point 27, l'attribution d'un contrat de service professionnel en ingénierie pour les travaux de la rue d'Amiron, entre la rue de Ritournelle et la rue Créneau. Donc, en attente des demandes financières dans ce projet,
dans le cadre de la préparation du projet de réfection de surface de la rue d'Amiron entre les rues Ritournelle et Créneau, nous devons mandater une firme d'ingénierie afin de confectionner les plans et devis. Le conseil municipal désire finaliser la préparation du projet, donc on propose donc une offre professionnelle pour les services d'ingénierie de travaux de la rue d'Amiron entre la rue Ritournelle et Créneau afin de continuer le travail entamé. On propose un montant forfaitaire comprenant les honoraires professionnels et les dépenses au montant de 77 041,63 sous, taxes incluses. Conformément aux dispositions que l'on retrouve dans le règlement de gestion contractuelle de la Ville d'Ancienne Lorette, le service des travaux publics juge opportun que la Ville accorde à la firme Tetra Tech un contrat de gré à gré pour les services professionnels d'ingénierie pour de la rue d'Amiron entre la rue de la Ritournelle et la rue du Créneau. Donc, on recommande d'attribuer un contrat gré à gré pour le service d'ingénierie des travaux de la rue d'Amiron entre la rue Ritournelle et la rue du Créneau au montant de 77 041,63 sous, taxes incluses. Et à ce montant, toujours une contingence de 15 % qui représente un montant de 11 556,24. Dans le cas de travaux supplémentaires en cas de possible imprévu pouvant être rencontré durant les services d'ingénierie de travaux. Merci. Donc, vous en faites la proposition? Oui. Quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît? J'appuie. Madame Grenier. Donc, effectivement, c'est pas la première fois qu'on vous parle de la revitalisation, de la réfection de la rue d'Amiron. On avait fait ici au conseil municipal une demande de subvention au programme PAVL et on a reçu une réponse. C'est pas qu'on n'était pas admissible, c'est qu'on nous a annoncé qu'il y avait plus de fonds dans le programme PAVL. Donc, ils nous ont dit, bien, meilleure chance la prochaine fois. Mais on garde notre dynamisme pour aller chercher des subventions. Donc, on attend des réponses de d'autres programmes de subvention. Et comme on fait à l'habitude, on est prévoyant à l'Ancienne Lorette, on prépare nos plans et devis pour faire que lorsque l'on reçoit les subventions, on puisse partir le plus rapidement possible en réfection de nos rues. On va en parler un petit peu plus tard. Il y a un point à ce sujet-là pour le financement de nos infrastructures, puis qu'on fait une intervention ce soir auprès du gouvernement fédéral à ce stade-ci. Donc, on y va maintenant et on tiendra évidemment informé là, l'ensemble des citoyens là-dessus et les gens de la rue d'Amiron, là, des projets de revitalisation de la rue. Donc, on y va avec le point 28, approbation des comptes à payer pour le mois de février. Donc, on a un total de comptes à payer qui totalise 2 377 429. À ce montant-là, vous avez de total de rémunération et de remise d'un peu plus de 700 000 $. Il y a ensuite de ça le complexe qui prend un bon montant aussi. Le complexe, vous savez, on a une entente avec le complexe sportif multidisciplinaire de l'Ancienne Lorette. Donc, pour la période, c'est 133 759 $ que l'on paie pour les heures de glace. On a ensuite de ça des camions pour le déneigement de 10 379 $. On a les huiles aussi, quand on parle d'huile des roches que vous voyez sur les comptes à payer. C'est l'huile, non pas de l'huile à chauffage, mais de l'huile diesel pour faire fonctionner notre machinerie, donc que l'on achète pour le garage municipal. Il y a évidemment encore des frais pour ce qui est de nos démarches avec la Ville de Québec, un 76 000 $ avec nos professionnels au dossier. Ensuite de ça, des fins de paiement, j'imagine, pour la réfection de rue de la rue Saint-Victor de 150 000 $ Puis, ensuite de ça, quelques équipements qui ont été réparés, 19 000 $ Il y a aussi, on vous a annoncé que le programme Primo, on avait fait une demande au programme Primo pour la rue Jean-Daumien, donc on fait avancer nos dossiers à ce niveau-là. Donc, qui totalise, là, le dernier pour la rue Jean-Daumien est un montant de... $22 000, c'est ça. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît, les comptes à payer. J'appuie. Madame Ossio. J'appuie. Et Monsieur Guérard. On y va maintenant avec le point 29, dépôt du rapport des activités de trésorerie.
en lien avec l'élection du 2021. Donc, Maître Leblanc-Bourque. Oui, merci, Monsieur Pajot. Donc, en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le trésorier doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, déposer devant le conseil municipal un rapport des activités qu'il a effectuées pour l'exercice financier précédent. Donc, le rapport a été confectionné par Joanne Villeneuve, pardon, qui est assistante trésorière, et il est déposé là, aujourd'hui au nom de la trésorière Annick Marceau. Et le trésorier doit donc transmettre ensuite au directeur général des élections du Québec une copie du rapport. Le rapport doit présenter, entre autres, les partis politiques, le ou les partis politiques autorisés, la date de production du rapport financier du parti politique et le montant remboursé par la Ville pour les frais de vérification et les montants payés par la Ville pour le remboursement des dépenses électorales pour le parti politique et les candidats indépendants. Donc, évidemment, les dernières élections étaient en 2021, mais il y a certaines dépenses là, qui peuvent perdurer dans le temps. Donc, on doit clore, là, finalement, tous les états financiers. Donc, c'est normal là, qu'il puisse y avoir encore un rapport à cet effet-là cette année. Et pour l'année 2023, la Ville a déboursé un montant de 4 549,36 pour les rapports, les rapports électoraux. Donc, c'est un dépôt. Merci. Donc, vous en faites le dépôt? Merci. On y va maintenant avec le point 30, autorisation du paiement de la quote-part 2024 pour la communauté métropolitaine de Québec. Donc, comme vous le savez, la Ville de l'Anse-Nerette doit verser une quote-part annuelle à la communauté métropolitaine de Québec, laquelle on fait partie, qui est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 28 municipalités et plus de 820 000 personnes sur le territoire. Donc, plusieurs champs d'intervention s'orientent particulièrement en aménagement du territoire, en environnement, en transport métropolitain et en gestion des matières résiduelles. Donc, le 21 mars 2024, la CM Québec a transmis à la Ville de l'Anse-Nerette une facture pour le paiement de la quote-part. Le montant payable pour l'exercice financier 2024 est établi à 100 023 $. À titre indicatif et comparativement seulement à la quote-part 2023, s'élevait à 96 000, soit une augmentation de 3,8 %, qui est à peu près le montant de l'inflation pour cette année-là. Donc, la quote-part est payable en trois versements égaux. Le montant, l'impact, l'implication financière, comme je disais, 100 023 $ est disponible au budget de fonctionnement. Donc, c'est une recommandation du service de trésorerie à effectuer le paiement de la somme due à la communauté métropolitaine de Québec. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Madame Lorrain et M. Allais. On y va maintenant avec le point 31, qui est un point qu'on a ajouté ce soir, qui est déficit de financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Considérant que et là, je vous lis là, quelques extraits d'une résolution qui nous est proposée par la Fédération canadienne des municipalités pour demander au gouvernement fédéral d'activer son transfert de fonds au gouvernement provincial pour que les municipalités puissent recevoir les argents pour faire leurs infrastructures pour l'été 2024. Considérant que le Canada reconnaît actuellement une croissance démographique record, considérant que selon les estimations de la Fédération canadienne des municipalités, le coût des infrastructures municipales requises s'élève en moyenne à 107 000 $ par logement pour une ville. Donc, les infrastructures qu'on doit amener à chaque fois qu'on a un logement, eux prévoient qu'on a 107 000 $ Considérant que selon Statistique Canada, le coût associé à la remise en état des infrastructures municipales existantes atteint environ 170 milliards de $ Je comprends que c'est au Canada. Considérant que les municipalités font face à une hausse de coûts de projets d'infrastructures qui est non seulement fulgurante, mais disproportionnée par rapport à l'augmentation de leurs revenus, considérant que les municipalités font face à une insuffisance du financement fédéral en matière d'infrastructures à l'heure où le programme d'infrastructures Investir dans le Canada a pris fin et où le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est en renégociation, et où le Fonds permanent pour le transport en commun ne sera relancé qu'en 2026. Considérant que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, anciennement, le Fonds de la taxe sur l'essence verse annuellement plus de 2,4 milliards de $ en capital directement aux municipalités par le biais d'un mécanisme d'attribution fiable, et que les municipalités petites et grandes misent sur ce financement pour respecter leurs engagements envers la population
en construisant et en entretenant des infrastructures publiques essentielles. Infrastructures d'eau potable, d'eau usée, routes, transports en commun, installations communautaires, culturelles et récréatives. Ce qu'il faut comprendre, quand on parle de le programme que je vous ai nommé tout à l'heure, que l'on appelle, nous, la TEC, donc qui est le programme sur la taxe et l'essence, qui est transféré aussi au gouvernement du Québec, c'est un montant qui vient du fédéral, puis ensuite de ça, qui est redistribué aux municipalités. Habituellement, en 2024, on devrait repartir ce que l'on appelle, nous, sur une nouvelle TEC. Donc, avoir des fonds nécessaires, qui sont des subventions, que l'on puisse utiliser pour refaire nos infrastructures en eau. On parle des tuyaux dans les rues, on parle des rues à faire. Et on est rendu à l'aube du mois d'avril et on n'a pas de réponse encore. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas partir en appel d'offres pour nos projets de rues que l'on doit faire, pour nos projets d'infrastructure, même pour certains bâtiments que l'on peut faire. Et on nous demande de faire des logements. Mais si on ne fait pas de tuyaux pour se rendre au logement, si on ne répare pas nos tuyaux, on ne peut pas en faire. Donc, c'est l'important, et ça, nous, on trouve que ça, c'est urgent d'agir. Donc, c'est pour ça qu'on on adopte cette résolution-là ce soir. Et en conséquence, bon, et j'imagine que ce sera unanimement proposé et résolu, que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités Canada demeure une source de revenus directs, fiables et pérennes pour les priorités locales en matière d'infrastructure, que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024, on nous a annoncé que le 2024 est le 16 avril prochain, une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux. Et ça devrait être dans les prochains jours qu'il faudrait que ça se fasse pour qu'on puisse, ensuite de ça, nous, pour nos citoyens, faire les investissements nécessaires, sinon on va perdre une année complète. Que des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, dont je vous parlais tout à l'heure, sans aucune condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités et pour les municipalités. Ça, c'est un petit bout que je viens d'ajouter. Que le gouvernement fédéral réunissent les provinces et territoires pour négocier ce cadre d'entente-là et que des copies de cette résolution soient transmises, évidemment, à la vice-première ministre, Mme l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports, M. Pablo Rodriguez, l'honorable Pablo Rodriguez, au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, et Mme André Laforêt, qui est notre ministre responsable des municipalités, et évidemment à l'ensemble des députés fédéraux et québécois sur notre territoire. Donc, évidemment que si on n'a pas les montants qui nous viennent du gouvernement du Canada, qui ne sont pas transférés au gouvernement du Québec, donc les villes ne peuvent pas les avoir. Donc, nous, ce soir, on sonne un peu cette résolution-là, elle circule depuis un certain temps au niveau du Canada. Nous, ce soir, on sonne un peu le gong, si on peut dire, pour dire aux gens, bien, activez-vous, donnez-nous les montants. On doit faire des projets au niveau de l'été. Et on nous dit, bon, que le programme qui existait, qui devait se terminer en 2023, se complète jusqu'en 2024. Mais nous, on les a fait nos devoirs. Les investissements, ils ont été faits comme c'était prévu, parce qu'on se devait les terminer en 2023. On l'a fait. Maintenant, on s'attend à avoir une TEC 2024, aller jusqu'à, c'est aux 4 ans, ça, M. le directeur général, une TEC 2024-2028. Donc, on demande aux gens d'agir. Donc, M. Fraser, le ministre responsable des infrastructures, il est temps d'agir pour nos villes canadiennes. Donc, on compte sur vous. On espère avoir des nouvelles très, très bientôt. Juste pour la ville de Lancienne-Lorette, c'est 10 millions sur 4 ans. Donc, c'est énormément d'argent. Puis ça, si on ne l'a pas cette année, ça veut dire qu'il y a bien des choses qu'on voudrait faire en infrastructure qu'on ne peut pas faire. On est une petite ville, mais je pense qu'on peut
réussir à se faire entendre lorsqu'on adopte des résolutions comme ça. Puis, Monsieur Fraser, it's time to act for our Canadian cities. Quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. On l'a dit qu'on le faisait en unanimement, donc unanimement proposé, unanimement résolu. On espère des réponses très bientôt. On y va maintenant pour la période de questions, mais avant ça, il y avait des interventions des membres du Conseil. Donc, Monsieur Lame. Oui, bien, comme vous le savez, depuis quelques années, nos relations avec l'aéroport, ça va très bien. Puis, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais présentement, donc, l'aéroport, le YQB, travaille à élaborer sa prochaine planification stratégique 2025-2030. Donc, l'organisation mise sur une approche consultative et participative afin de prendre le pouls de l'ensemble des intervenants qui gravitent autour, là, dans le fond de l'aéroport, de près ou de loin. Donc, ça comprend les citoyens et les gens d'affaires de l'ancienne Lorette. Donc, il va y avoir des échanges là, constructifs qui vont se tenir sous la forme de groupes de discussion animés par un cabinet là, à Viséo-Conseil. Ça va être le 5 avril de 3h à 5h, donc directement à l'aéroport. Donc, si vous aimeriez participer à ces discussions-là, dans le fond, il faut s'inscrire. Puis vous avez jusqu'à demain, donc le 27 mars, 16h, par courriel. Donc, l'adresse courriel, c'est planification stratégique, juste un mot, planification stratégique à commercial, yqb.ca. Donc, gênez-vous pas si vous voulez vous impliquer dans les discussions du plan stratégique avec l'aéroport. Vous avez jusqu'à demain pour le faire. Merci. Je vais poursuivre aussi de mon côté. Là, j'aimerais vous informer que nous avons une nouvelle consultation citoyenne concernant un sujet qui nous tient tous à cœur, c'est-à-dire l'évolution de notre belle ville. Donc, pour vous mettre dans le contexte, là, on le mentionne ici régulièrement, nos règlements d'urbanisme datent d'une autre époque, soit de 1989. Je comprends que d'une ville de notre taille doit normalement réactualiser ses règlements à chaque cycle de 10 ans. Comme cela date de plus de 30 ans, nous avons entrepris une refonte complète de nos règlements d'urbanisme en 2021 qui durera encore quelques années. Fait que notre plan de projet prévoit 5 consultations citoyennes. On a déjà 2 volets qui ont été complétés. Donc, le premier volet, c'était la vision d'avenir complétée à l'été 2021. Deuxième volet, vision stratégique et enjeux complétée en 2022. Donc, maintenant, on entame le troisième volet pour ce printemps, qui est les objectifs d'aménagement du territoire. Dans ce volet-là, c'est l'occasion de vous prononcer sur les questions d'aménagement du territoire essentielles pour vous et les générations futures, telles que l'accès à la propriété et au logement, la lutte au changement climatique, la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti, ainsi que l'accès à des services de qualité. Pour ce faire, rendez-vous sur notre site de consultation ensemble.lanciennelorette.org. Ensemble, définissons les priorités de notre ville pour les 20 prochaines années en matière d'aménagement du territoire. Faites vite, car vous avez jusqu'au 19 avril pour y participer. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour d'autres interventions? Oui, si vous me le permettez, mais j'en aurais 2. Oui, certainement. Alors, je vais débuter avec un point. Alors, j'aimerais souligner une reconnaissance décernée à une citoyenne de mérite de l'ancienne Lorette. Il s'agit de Mme Nour Sayem, qui est une nouvelle récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Alors, cette récompense lui a été accordée pour avoir contribué au mieux-être de son milieu ou à l'atteinte de la mission d'un organisme par son engagement bénévole soutenu sur le plan social ou communautaire. Un engagement qui a commencé ou qui s'est poursuivi au-delà de l'âge de 64 ans. Alors, Mme Sayem est née en Syrie et elle est arrivée au Canada en 1967 avec sa famille. Et elle dédie son cœur et son temps à sa communauté en unissant ses passions pour l'entrepreneuriat et l'innovation à son engagement bénévole qui a toujours occupé une grande place dans sa vie. Et elle est mentor pour des dizaines d'entrepreneurs. Elle a aussi créé un organisme pour faciliter l'intégration des femmes réfugiées. Et elle est actuellement la présidente de l'AFEAS, donc l'Association féministe d'éducation et d'action sociale de l'ancienne Lorette. Et elle se consacre depuis nombre d'années à la cause de l'égalité et l'avancement des femmes. Donc, Nour Sayem est une femme vraiment inspirante, dont le parcours atypique est marqué par la résilience, l'ouverture aux autres et le don de soi.
et c'est aujourd'hui salué. Alors, toutes nos félicitations. Alors, tout à fait. Tout à fait. Un beau parcours. Oui, absolument. Vraiment, félicitations. Et sur une note un petit peu plus légère, Pâques s'en vient. Alors, il y a une chasse, une grande chasse au coco qui est organisée dans le Boisé-Lauretin et à la bibliothèque Marie-Victorin. Donc, en fin de semaine, 29, 30, 31 mars, dans le Boisé, vous avez juste à vous y rendre entre les rues Notre-Dame et Saint-Olivier. Et attention, ce n'est pas la section qui est en arrière de la polyvalente. C'est bien là, le long de la rivière. Et également, la bibliothèque, c'est les 29 et 30 mars, parce que c'est fermé dimanche de Pâques. Et c'est au coin Notre-Dame et Saint-Jacques. Et vous pouvez, avec cette grande chasse au coco, trouver 25 œufs numérotés. Et vous pouvez faire l'une ou l'autre des chasses, ou même les deux, parce que chaque chasse vous donne l'occasion de gagner différents prix qui sont offerts par Fugato. Délicieux prix. Et comment participer? Bien, vous pouvez télécharger le formulaire qui est disponible en ligne sur le site de la Ville ou également, vous pouvez aller à la Bibliothèque Marie-Victorin ou à l'Aquagym Élise Marcotte. Vous prenez votre crayon, votre formulaire, vous vous rendez sur place et voilà, vous vous amusez et vous profitez de Pâques de belle façon en famille ou entre amis. Je crois qu'il annonce beau. Tant mieux. Tant mieux, tout à fait. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, c'est tout, je vous remercie. Merci. Ça va de part et d'autre? Merci. Peut-être un petit mot pour vous dire quelques points, là, entre autres, M. Garand, vous avez parlé de la consultation au niveau de l'urbanisme. Je vais vous parler un petit peu aussi de pénurie de logements. On en entend parler de plus en plus. On en a parlé tout à l'heure. Puis, l'ancienne NEREP n'est pas épargnée par cette pénurie de logements-là, évidemment. On voit de plus en plus de gens qui nous interpellent en nous disant, ben moi, j'aimerais deux situations que l'on vit. Soit que des gens qui désireraient vendre leur maison, mais aimeraient toujours continuer de vivre à l'ancienne NEREP, donc la pénurie de logements fait qu'il n'y a tellement pas de logements disponibles à l'ancienne NEREP. On est au plus bas taux de logements disponibles, je pense, à vie. Et ensuite de ça, il y a des jeunes qui veulent quitter le nid familial et qui voudraient aussi continuer de demeurer à l'ancienne NEREP, mais qui ne peuvent pas le faire parce que, évidemment, il n'y a pas de logement disponible à l'ancienne NEREP. Je veux juste vous dire que la ville de l'ancienne NEREP reste à l'affût là, des tendances en matière de densification, mais à une échelle humaine. Puis je dirais de surveiller nos publications ou les séances du conseil municipal là, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, afin d'en être informé. Puis s'il y a des choses qui arrivent aussi, qui arrivent à terme, parce qu'il y a des gens qui nous en parlent, mais ils ne sont pas encore prêts d'être présentés à terme, bien, vous allez être consultés dans vos secteurs respectifs quand il y aura une densification qui sera à faire ou qui sera prévue, qui sera proposée un projet de densification. Ensuite de ça, je voulais vous parler là, de certaines revitalisations de rues. On a parlé de la rue Jean-Daumien, on a parlé là, de la rue Turmel, où c'est que là, on va refaire une revitalisation dans le courant de l'été. On l'avait annoncé l'année dernière, entre Napoléon et Perchemoneau. C'est qu'on va faire l'ajout d'un trottoir et on va normaliser la piste cyclable de chaque côté. Le trottoir sera ajouté du côté de l'Hôtel de Ville, évidemment. On vous a parlé du projet de revitalisation de la rue d'Amiron aussi. Et on a aussi du côté du district de c'est Saint, ben, pardon, de M. Hallé, quel est votre nom de district? Des Pins, voilà, c'est ça. Je suis toujours le district de M. Hallé, mais il ne vous appartient pas. Vous êtes représentant du district Les Pins. Donc, on va commencer à remplacer les lampadaires qui ont acquis une certaine notoriété en étant appelés les lampadaires Harry Potter. Donc, on a tellement de problèmes avec ces lampadaires-là depuis certains temps. Donc, on va commencer cet été par la rue, je crois que c'est des Douves et du Merlon. Et évidemment, là, on avait entrepris là, des démarches pour le parc de l'Envolée qu'on va compléter cette année. Je pense que les structures que l'on avait demandées, là, qu'on a acquis, vont être livrées là, ce printemps. On le souhaite fortement. Puis, ensuite de ça, le parc d'Argolade, qui restait quelques installations à finaliser. Donc, c'est les projets actuellement en cours. On souhaite pouvoir en annoncer d'autres si on vient qu'à avoir nos argents qui viennent des subventions sur lesquelles on a fait des demandes.
Donc, merci pour ça. Il y avait, on va y aller maintenant avec les périodes de questions. On avait des questions qui étaient par courriel. Donc, on va y aller courriel, ensuite de ça avec les gens dans la salle. Puis, on va aller ensuite de ça pour les questions sur le web. Alors, une question par courriel, M. Marcel Bédard, le 26 mars, donc aujourd'hui à 17h. J'aimerais savoir pourquoi les feux de signalisation qui étaient situés au coin des rues Napoléon et route de l'aéroport ont été remplacés par des panneaux arrêt stop. Je trouve ce changement beaucoup moins sécuritaire pour la population de l'ancienne Lorette. De plus, ces nouveaux panneaux sont beaucoup moins visibles. Merci de nous informer. Vous avez entièrement raison, M. Bédard, puis je suis content de vous en reparler parce que on en a parlé plus d'une fois ici au conseil municipal. Les signaux lumineux ont été interrompus suite à un accident qu'il y a eu au coin des rues Napoléon, c'était à la mi-décembre. Je peux vous dire qu'on a fait énormément d'interventions avec le ministère des Transports pour que ce soit réparé, pour faire qu'ils enlèvent les stops et mettent au moins des lumières temporaires. On nous dit qu'ils attendent après une pièce, et là, dernièrement, on nous a dit qu'ils attendaient à des plans d'ingénierie pour faire les travaux. Donc, ça fait énormément de temps. On va se croiser les doigts pour que les gens parcourent cette intersection-là de façon très sécuritaire. Mais on est à la merci du ministère des Transports pour ce qui est des travaux sur cette intersection-là, parce que ce n'est pas un territoire qui appartient à la ville de l'ancienne Lorette. Donc, on a relancé, même pas plus tard que la semaine dernière, on a rencontré des gens. Donc, on ne peut qu'à ce stade-ci faire ces démarches-là, mais les gens qui doivent être informés sont très bien informés. Donc, merci, M. Bénard, de cette question-là. Donc, on va y aller avec les questions dans la salle, puis ensuite de ça, on reviendra avec les questions du web. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Donc, je vais vous demander de vous nommer, de faire un très court préambule et de poser votre question. Oui, j'ai deux questions. Mon nom est Conrad Milhomme. Bonjour, M. Milhomme. Bonjour, bonsoir. Au coin de la rue Napoléon, au coin de la rue Saint-Alphonse et Notre-Dame, vous avez installé un poteau pour faire traverser des piétons. Califlash. Califlash? Oui. Bon. Je vais vous poser une question. Pourquoi il n'a pas été déneigé de l'hiver? Quand vous dites déneiger le poteau? Oui, on n'est pas capable de se rendre au poteau pour aller peser sur le bouton. Il faut monter sur le banc de neige. C'est un excellent point. C'est pas correct, pas normal. Il a été déneigé une fois cet hiver parce que j'ai appelé. OK. Et voilà 10 jours à peu près, j'ai appelé aux travaux publics. Je leur ai demandé d'aller enlever la neige qu'il y avait pour se rendre au poteau pour aller peser sur le bouton. Même j'ai parlé au directeur des travaux publics. Okay. Ils ont dit, c'est peut-être un oubli qu'il y a eu. Je vais en parler à mes contremaîtres. Il n'y a rien de fait encore. OK. Ça, merci de nous le dire. Oui, mais ce n'est pas le fait de vous le dire. Oui, pourquoi ça ne se fait pas? Bien, pourquoi ça ne se fait pas? Ce n'est pas nous qui tenons appel. Vous le savez, vous avez travaillé pour la ville. Donc, non, mais vous avez des contremaîtres, vous avez quelqu'un pour faire les travaux. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais là, vous nous soumettez que vous avez fait deux fois au garage municipal. Oui. Qu'il y a eu une intervention une fois. Une fois. Je peux vous dire qu'ils vont en entendre parler pour pas qu'il y ait une troisième demande d'intervention du citoyen. On souhaite qu'il n'y ait pas de neige à venir, mais à un moment donné, c'est pas nous qui tenons l'appel. Puis là, on le rappelle à ces gens-là qui ont des responsabilités et des devoirs, l'ensemble des gens aux travaux publics. Dans l'ensemble, on a un excellent service au niveau des membres des travaux publics. Sur le déneigement, tout va très bien. Tout à fait. Ça va très bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? Est-ce que ça n'a pas été inséré dans une run de travail, dans une façon de faire? Parce que, je peux vous le dire, lorsqu'on a des rencontres et qu'ils nous présentent, c'est structuré. Puis, mais probablement que la case n'a pas été remplie dans ce qu'ils doivent faire, dans leur run qu'ils doivent faire. Donc,
c'est clair que moi, je ne veux pas que vous reveniez me revoir pour dire que ce poteau-là n'est pas nettoyé ou que d'autres accès ne sont pas nettoyés. Mais là, c'est le soleil qui fait son travail. Là. Ça fond, oui, mais, ça fond, puis, là, puis, mais je suis d'accord avec vous, on n'a pas eu un hiver. Non, puis, mais quand même. C'est ça. Mais des fois, quand ça ne déneige pas tant que ça, c'est peut-être là qu'il y a des affaires qui tombent entre deux chaises. Mais tu sais, mais c'est pas, ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas le fait que ça c'est pas fait. Mais merci de nous le dire, puis ça va suivre. C'est tout ce que je veux. Mais on va poser les questions nécessaires, mais je vous le dis, les gens de travaux publics, c'est des gens qui sont structurés. On a quand même un excellent service à l'ancienne REP quand on se compare à bien d'autres villes dans la région de Québec puis au Québec. Donc, quand on arrive avec des cas comme ça, c'est des choses pointues, mais c'est des choses qu'on ne doit pas rappeler 12 fois. Vous aviez une autre question? Oui. Les trottoirs. Oui. Ça faut faire 9 mois que j'en parle, des trottoirs. Le trottoir de la rue des Loisirs, l'ancienne polyvalente, oui, aller jusqu'à Des Patriotes et Beau Séjour. Il y a des fentes, de cette largeur-là, puis d'autres places. Là, elles sont pleines de sable, là. OK. Ça va bien. Mais un bon coup, le balai va passer, puis tout ça, là. J'ai des photos à la pluie. J'ai montré des photos le 27 de juin l'année passée. On a eu une réunion de quartier des Pins. Oui. J'en ai parlé. Il n'y a rien qui s'est fait. Mais la réunion du quartier des Pins, on l'a faite à l'automne. Il faisait beau. Il a fait beau à l'automne, oui, mais on était au mois d'octobre. Oui. Mais je vous rassure. On a fait nos rencontres au mois d'octobre. Tu sais, je ne veux pas... les rencontres qu'on avait faites, je me souviens que vous en avez parlé. Là. Oui, mais du mois de juin au mois d'octobre, il doit avoir eu du temps aussi pour le faire. On va avoir parlé avec le directeur des travaux publics, là, c'était à l'agenda. On en a parlé pas plus tard que voilà 2 semaines. Ça veut dire qu'assurément que ça va être fait rapidement en début d'été. Oui, parce que je vais vous dire que suite aux rencontres citoyennes que l'on a faites, il y a un tableau qui a été monté, il y a des choses qui ont été présentées, il y a des choses qui nous ont dit, voici, c'est dans le collimateur pour la prochaine saison estivale. Des choses à faire, il y a des choses qui sont de plus long terme, il y a des choses qui ne sont pas réellement faciles à régler, mais il y a toutes ces petites affaires-là qu'on pense de la tonte d'à côté de chez vous, le parc Amel, tout ça. Donc ça, je me souviens, on en a parlé en CA et l'équipe des travaux publics l'a pris. Là, évidemment, on est entre 2 saisons. Fait que c'est pas là que ça va se faire, mais entre autres les trottoirs, je me souviens que c'était passé dans la chose. Fait que je souhaite que vous ne m'arrivez pas au mois de juillet, puis vous le ferez si c'est pas fait, que c'est pas fait. Ah non. On se connaît, monsieur. J'espère. On espère. Je vais revenir aussi. Ben oui, mais on aime ça vous voir aussi quand même. Ah non, mais c'est la dernière fois que je viens, là, le printemps arrive. Là, ah ben là, c'est ça, là. C'est ça. Fait que vous allez laisser M. Lacarte seul. M. Lacarte, excusez-moi, je pense qu'il y a une dame avant qui veut poser une question. Merci. Bonjour, M. le maire. Bonjour, les conseillers. Rapidement, je me présente, Eva Trudeau. Je suis résidente dans la Cinerette depuis ma naissance, donc 15 ans. Oh. En fait, j'aimerais vous parler d'un léger problème que j'ai rencontré l'été dernier avec ma grand-mère et mes cousins dans les parcs. Il y a beaucoup de jeunes, d'adolescents qui flânent dans les parcs et malheureusement, ça crée une certaine distraction. Ils utilisent beaucoup les jeux qui sont pour les enfants et mes cousins n'étaient pas à l'aise l'été dernier, ils sont en bas âge. N'étaient pas à l'aise d'aller dans les jeux à cause des plus vieux. On se demandait s'il y avait une action qui pourrait être prise niveau surveillance des parcs ou autre pour rassurer les jeunes, parce que je pense que mes cousins ne doivent pas être les seuls dans cette situation à avoir un peu plus peur d'aller dans les parcs, considérant l'âge des plus vieux, qui ne sont pas forcément adaptés pour les parcs et qui ne jouent pas avec les modules de jeu qui sont prévus à cet effet. Fait que je me demandais s'il y avait une action qui pourrait être prise par rapport à ça. Bon, il y a beaucoup, on a un programme, mais vous allez le voir, on va le présenter, là, c'est dans le prochain journal Lorettin ou sur nos réseaux sociaux. On essaie le plus possible de faire beaucoup d'activités familiales dans les parcs. Un parc qui n'a pas de vie, un parc qui n'a pas d'activité, on a de très, très beaux parcs à l'ancienne Lorette. Donc, on a une multitude d'activités qui vont se faire pour animer nos parcs.
On a ensuite de ça, M. le directeur général, vous me rappellerez, mais on a un programme cette année pour ajouter au niveau d'intervenants. Peut-être que Mme Grenier, vous pouvez nous en parler un petit peu, là, mais il y a deux intervenants qui sont ajoutés pour circuler dans l'ensemble de l'ancienne Lorette. On est allé chercher une subvention là-dessus. Il y a évidemment aussi, puis tu sais, il faut comprendre, il y a toujours l'âge que j'appelle entre deux eaux, là. C'est que l'âge que tu es très, très jeune, tu as l'âge que tu as l'air d'un adulte, mais dans ta tête, tu es encore très, très, très jeune. Alors, tu as le goût d'aller te balancer, même si tu es grand et tes deux bras qui pendent de même. Je ne veux pas rire de ça. On est passé par là. Ça fait qu'on est tous passés par là. Donc, c'est un peu ça là-dedans. Puis des fois, ça peut faire peur à des plus jeunes. Mais je voudrais, s'il y avait un manque de respect de quoi que ce soit, bien là, à ce moment-là, c'est de faire une plainte pour qu'on puisse faire des interventions directes. C'est ce que je dirais aux familles ou aux jeunes, de faire des interventions directes. Dans l'ensemble, lorsqu'on a des rencontres avec les services de police à l'ancienne Lorette, je peux vous dire que les rapports que l'on nous présente sont très positifs par rapport à toute la région de Québec. On a une ville quand même très sécuritaire. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, mais on a une ville très sécuritaire. Mais le commentaire que vous faites là, merci beaucoup, pour une Lorettaine de 15 ans qui est venue au monde à l'ancienne Lorette et que je sais que ça tient, que sa ville lui tient à cœur. Donc, c'est un message de plus qu'on va transmettre à nos équipes sur le terrain. Puis, n'hésitez pas, si toutefois vous voyez ou que vos gens trouvent qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables, on a un service de police qui est compétent et qui est présent sur le territoire lorettain. Et s'il y a des choses qui se font de vandalisme ou quoi que ce soit, les gens interviennent au niveau du service de police. Mais comme vous savez, on a plusieurs tranches, là. Il y a les intervenants. Il y a la maison des jeunes, les intervenants sur le terrain, le service de sécurité qui se promène aussi dans nos parcs en dehors des heures. Et ensuite de ça, au besoin, si besoin est, la police qui se doit d'intervenir. Mais merci beaucoup de votre intervention. Bien, merci beaucoup de votre réponse. Merci. Je vais redire mon nom, M. Lacaire. M. Lacaire. Marie, quelle rue, M. Lacaire? Saint-Jacques. Ah, OK. Il n'y a pas. Là. Non, j'aimerais savoir, je sais que la rue Saint-Jacques est résidentielle. Oui. Hein, M. l'urbaniste peut répondre? Tolo. M. Lacaire. Oui. Ben là, Oui. Non, mais. Bon. Moi, j'ai été averti l'année passée, écrit par une dame qui travaillait à l'urbaniste. Il n'y a plus, Marigo. Mais de ôter mes petites boîtes à fleurs que je vendais sur le bord. Mm-hmm. Mais là, il y a un commerce là, qui a été averti l'année passée au coin de Turmel-Saint-Jacques. Je crois qu'il a été averti dernièrement, mais il opère toujours son commerce, puis c'est résidentiel. Je comprends que des propriétaires de deux bâtiments, Turmel-Saint-Jacques, qui fait le coin, ils sont assez riches. Faut-il être riche pour avoir des permissions spéciales? Bien, regardez, M. Lacaire, si vous croyez que quelqu'un qui, à quelque part, ne respecte pas les règlements de la ville, faites une plainte. Oui, mais c'est administratif, ce secteur-là. Donc, les gens au niveau du greffe et les gens au niveau de l'urbanisme vont faire le travail. Mais là, vous m'amenez à le tel coin, tel ci, tel... Faites une plainte en bonne et due forme. Monsieur, je ne me souviens pas de son nom, l'urbaniste. Là. Mais faites une monsieur plainte. Fortin, il est au courant du dossier, ils ont été. Non, mais... Et le monsieur continue à opérer. D'accord. Parce que je sais que le propriétaire, il y a des gros hôtels. Écoutez, il n'a pas de nom, là. Arrêtez de partir... Ça, il n'y a rien de pire que d'arriver, là, puis... Non, je veux faire comprendre... Faites une plainte. Oui, mais il y a eu une plainte l'année passée. Donc... Il opère encore. OK. Donc, vous me dites qu'il y a eu une plainte formelle de fait. Vous l'année passée. OK. Donc, on va le vérifier. Puis cette année, ils ont été, parce qu'ils ont été, l'urbaniste, okay. Y était, M. Fortin, il sait. C'est bon. Demandez-y, il est là. Non, mais je ne prendrai pas un cas précis ce soir. M. Fortin, si vous voulez intervenir, mais
Non, c'est juste qu'on est au courant du dossier, puis on intervient. Peut-être que ça paraît pas quand vous passez, là, mais on a un dossier d'ouvert, puis on intervient. Quand, ben, dites-moi pourquoi fait qu'il opère toujours. Y a-t-il un passe-droit? J'avais rencontré tout à l'heure notre technicien, je ne sais pas ce qu'il vous a dit, s'il y a eu des suivis. Hein? Par contre, c'est sûr que nous, on intervient. Ben, Monsieur Laguerre, je comprends que vous êtes déçu qu'il opère encore. C'est ça? Pardon? Je comprends que vous êtes déçu qu'il opère encore. Bien, la loi est pour tout le monde, ou pour les riches? Tout à fait d'accord. Non, non, non. Là, vous faites des amalgames. On prend acte de ce que vous nous dites. Les gens de l'urbanisme vont y travailler. Bon. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? On me dit un de vos directeurs de... Est-ce qu'il y a une autre question? Un de vos directeurs, nomme pas de nom, rien, qu'on me dit qu'il fallait aller prendre sur le fait. Bien, allez-y, ils sont en train de faire bouillir. Merci. Bonsoir tout le monde. Denis Lavoie, rue de Relette, à la Sénarette. Je ne vous parlerai pas de rivière, ça, c'est une première fois en 18 ans. Non, je veux juste déroger un petit peu, prendre une petite minute. Je n'ai pas une question, mais c'est juste pour vous mettre au courant que cette fin de semaine qui vient de passer, l'école de danse Tendance a participé à sa première compétition de l'année, le Can Dance à Laval, à Montréal. J'étais présent. Les troupes de Tendance ont eu un succès complètement hallucinant. La gang de parents qui était là, on flotte encore sur un nuage parce qu'on regarde les scores, puis ça n'a aucun sens le succès que ces gens-là ont eu. Je veux pas toutes vous les nommer, là, mais entre autres, il y a 5 troupes qui ont eu la meilleure note de leur catégorie. Et sur ces 5-là, entre autres, il y en a une qui a eu le plus haut pointage de tout le volet pré-compétitif de la compétition. Donc, a eu la meilleure note sur au-dessus de 440 présentations. Cette année, c'est complètement... comme je vous dis, on est sur un nuage, puis on est tous... puis parce que, ben, je sais que la Ville collabore aussi avec Tendance, alors je voulais que vous soyez au courant. Je ne sais pas s'ils vont publier quelque chose d'officiel bientôt. Oui, là, mais il faudrait. Oui, mais, nous envoyer des photos qu'on puisse les publier. OK. Non. Je vous laisse terminer. Oui, non, mais c'est ça. Ben, peut-être avec leur page Facebook qu'on pourrait faire quelque chose, là. Mais c'est ça, ça a été une fin de semaine incroyable. Incroyable. Ben, bravo à tous les jeunes, puis merci et bravo à tous les adultes et les parents qui les supportent. Les parents, les coachs, ouais. Le conseil d'administration, l'organisation, oui, mais vous avez bien raison. Ben, bravo, puis je suis allé au dernier spectacle de Tendance. Écoutez, c'était phénoménal. 20 avril, on va tenter d'y être. Merci. Merci de votre intervention. Puis, effectivement, je n'avais pas vu passer moi cette chose-là. Merci de nous le rappeler. Oui, bonjour. Oui, bonjour. André Côté. Moi, je suis le maire sur la rue Beauséjour. Oui, Monsieur Côté. Oui, Monsieur le maire, c'est juste pour vous demander. Vous nous avez annoncé déjà, vous avez déjà parlé qu'il y avait un projet avec la grande multinationale Microsoft. Oui. Je voudrais savoir, c'est rendu où, ce projet-là? Nous, actuellement, nos devoirs sont faits au niveau de Microsoft. On a passé ici au niveau des plans et devis. On a présenté le projet en séance du conseil municipal. Donc, Microsoft a vers eux le permis de construction. Là, je n'ai pas eu, moi, de dernières nouvelles au niveau de date ou quoi que ce soit, mais ils devraient faire des présentations à ce niveau-là bientôt. Mais pour nous, le travail de la Ville, il est fait. L'annonce a été faite de façon régionale. Le vice-président était venu, même à Québec, lors d'une rencontre de la Chambre de commerce de Québec, qui était venu présenter le projet de toutes les villes qui sont touchées par ça. Puis, moi, je m'attends à ce qu'il y ait des choses qui s'annoncent, là, probablement, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, là, au niveau de ce projet-là. Mais pour nous, le travail à la Ville, il est complété à ce niveau-là. Puis il y a des discussions qui se font en même temps avec le service d'urbanisme, mais pour dire une date ou une autre, je vais laisser aux gens de Microsoft là, faire ces annonces-là. Ah, merci. Ah, ben, en terminant, je voudrais juste remercier mon conseiller, M. Allé. On a un petit problème d'eau potable sur notre rue là, il y a 2 semaines. Puis on s'est communiqué, puis c'est réglé. Bien, merci. On n'attend rien de moins de lui. Rien de moins. C'est ça. Comme nous tous, d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y avait des questions provenant du web? Oui, M. le maire, donc il y en a une seule. Oui.
Monsieur Alain Robitaille, vous avez parlé de logement depuis plusieurs années. Bon, vous avez parlé de logement, point. Depuis plusieurs années, il y a un terrain vacant sur la rue des Braves, entre Saint-Paul et le boulevard Hamel. Est-ce qu'il y a un projet à venir? Actuellement, nous, au conseil municipal, on n'a pas entendu de projet. Je vous explique comment est-ce que ça fonctionne habituellement. Là, j'ai vu par contre, parce que je passe régulièrement là, que le terrain est à vendre. Mais habituellement, comment est-ce que ça se fait? Les projets sont déposés à l'urbanisme. Il n'y a pas d'intervention politique à ce niveau-là. L'urbaniste fait son travail avec le promoteur. Il y a deux façons de faire. Des fois, si c'est des projets qui sont d'une certaine ampleur, il peut y avoir une première demande d'opinion au niveau du conseil municipal en disant, écoutez, il y a une optique de faire tel type de choses sur un terrain. Est-ce que vous avez une opinion favorable ou pas? Puis après ça, on discutera de l'aménagement, de la dimension, du nombre de logements ou peu importe quoi. Donc, habituellement, c'est soit une façon de procéder, c'est qu'on demande l'opinion et ensuite de ça, l'urbaniste continue de travailler avec le promoteur et on a un comité consultatif d'urbanisme qui est composé de citoyennes et de citoyens et demande du conseil qui analyse le dossier et fonce, comme vous voyez ce soir, qui ramène ça au conseil municipal en disant « Nous, on a analysé le dossier, on demande telle ou telle modification, on vous suggère, c'est un comité consultatif, donc on vous suggère telle et telle modification, et on est en faveur du projet, comme vous avez vu ce soir, et ils nous l'amènent. » Et ensuite de ça, là, à ce moment-là, c'est étudié par le politique, par les membres du conseil, ou c'est que c'est présenté par l'équipe de l'urbanisme, et on l'amène ensuite de ça au conseil. Je vais vous dire que quand ça arrive au conseil, on peut avoir des questions, évidemment, en amont d'arriver ici. Souvent, l'ensemble des questions sont là, les modifications, les choses comme ça, que lorsqu'on amène ici et que les gens de l'urbaniste le présentent, bien, présentent l'ensemble des questions, l'ensemble des interrogations qu'il y a eu de la part de l'équipe de l'urbaniste, de l'équipe le comité consultatif d'urbanisme et des membres du conseil. Une étape très importante entre ça, nous avons instauré depuis 2 ans et demi déjà des consultations citoyennes systématiques. Donc, lorsqu'un projet quelconque qui doit se bâtir d'une certaine ampleur, on consulte l'ensemble des gens dans un rayon aux alentours. Et on fait du travail, excusez l'anglicisme, avec les citoyens du back and forth. Donc, les citoyens viennent, commandent, le promoteur est là, présente son projet, et à ce moment-là, on améliore le projet tous ensemble. Ce qui fait qu'en bout de ligne, quand on le présente, les gens sont informés, les gens ont pu le questionner, les gens ont pu le faire améliorer, et ensuite de ça, ça revient au conseil municipal, puis on en fait la présentation. Pour revenir au terrain de la rue des Braves, actuellement, il n'y a rien qui a été présenté au conseil. Je ne sais pas si vous pouvez le dire ou pas, s'il y a de quoi à l'urbanisme, mais moi, j'ai rien entendu, mais je pense qu'on peut même pas. Je vois Mike qui me regarde. C'est ça. Donc, puis là, je me voyais le dos. C'est pas, non, c'est une blague. c'est ça. Donc, les gens de l'urbanisme font leur travail. L'administratif fait son travail, mais nous autres, au niveau des membres du conseil, pour ce qui est du terrain des Braves, on n'a rien entendu. Et si jamais il y a quelque chose qui se fait là, vous allez être consulté. Parce qu'il y a déjà eu un projet, moi, quand j'étais membre du conseil, de 2000, c'est avant que vous soyez élu, je pense, M. Guérard, avant 2017, ce projet-là. Ouais. 2014-2015, il y avait déjà eu un projet de 100 quelques logements. Puis, personnellement, moi, je suis parti, puis j'ai passé des dépliants à travers toutes les portes pour dire on consulte les gens, puis on a consulté les gens sur ce projet-là. Et on a instauré de façon systématique cette consultation-là depuis 2 ans et demi. Donc, je pense que ça peut répondre à la question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui viennent du web? Un dernier tour dans la salle, ça va? Bien, merci beaucoup. il se retient. Bien, voyons donc. Ça chatouille. Bon, bien, il va être capable d'attendre un mois.
M. Laguerre. Ça fait que... Bon, bien, alors, merci beaucoup. Alors, quelqu'un pour proposer la fin? Je propose. Madame Grenier oui. Et M. Guérard. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde et à la prochaine.